De la musique. Non, c'est pas vrai, c'est pas, ça ressemble pas à ce que je pensais. Ok. Wizworld, paradis des érudits. D'accord, c'est un putain d'orbe géant. So this is what's become of the old place, eh? Interesting. Interesting. This is your hometown we're talking about here. Couldn't you be a little more concerned? I am. But panicking isn't going to make a blind bit of difference, is it? Well, no, but look. That must be the light Annie Hall told us about. Ah oui, mais le cristal tout en haut, c'est ça? Je viens de capter. Ah oui, c'est ça. Il est là. Bon, c'est bon, on y va, on frappe à la porte, on dit bonjour. On peut vous prendre le cristal? Voilà, c'est bon, enfin. Mission suivante. Pas compliqué. Ok. Max Adarn. Il faut qu'on vienne à la... au premier truc. D'abord la petite discussion. Wizwall envahi. Alerte! Ouille! Qu'est-ce qui se passe? Elle a marché sur... je parie qu'elle a marché sur une ronce ou quelque chose genre. Ça va, Gloria? Oh, c'est rien, je crois que j'ai une épine dans la chaussure, rien de plus. Voilà, voilà, classique. Ah, j'ai remarqué des plantes couvertes d'épines tout à l'heure. Elles sont très venimeuses, c'est bête. Si tu t'es frotté, ça vient peut-être de là. Il te reste 2 heures. Je vais vraiment faire plus attention. C'est pas aux autres de regarder où je mets les pieds. Tu regardes autour de toi, il y a des plantes partout, c'est impossible de ne pas marcher dessus. Pourtant, je suis quasiment sûr qu'il n'y en avait pas autant la dernière fois que je suis venu ici. Qu'est-ce qui a pu se passer? Tiens, tiens, tiens. Une croissance si soudaine et brutale n'est pas naturelle. Mais le cristal, mais c'est bon, on a compris. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Le pouvoir du cristal de la Terre est à l'œuvre. Alors, on a intérêt à faire quelque chose, sinon, ça sera vite complètement envahi. En effet, nous devons retrouver le cristal sans tarder. Peut-être qu'on devrait d'abord jeter un coup d'œil à ton pied, non? Oh, franchement, ce n'est rien. Je vais juste mourir dans 3 heures, mais. Hé, hey, Gloria, attends! Trop d'altruisme peut nuire, tu sais, il va falloir la surveiller de près, hein. Ce petit rat. Oula. Hein? Mais attends, mais... c'est un enfer pour se déplacer dans cette ville. Ah, d'accord. Ah oui, ok, mais ça, c'est un pont. Lol, MDR. Ouais, d'accord. Bonjour, gamin. Mission 2, fuck la nature. Mais oui, c'est ça. Elvis en mage noir, feu 3, voilà. C'est bon, plus de végétation. La personne ne les trouvera jamais. Trouvez les 3 médailles mystérieuses. Jouez un jeu, vous devez trouver les 3 médailles que j'ai cachées en ville. Are you serious? Serious? Qu'est-ce que j'ai que ça à foutre? Faut que je sauve le monde, moi. Et les marqueurs vont m'aider. Donc chier, t'inquiète. Ta quête de merde. Alors je suis vieux, excusez-moi. Ah, le stuff. Qu'est-ce que tu vends? Super potion, je vais en acheter. Attends, on va peut-être se calmer. Attends, attends, on verra plus tard. Faites-moi penser après. Ok. Prenez un prenez de sortilège, c'est pas mal ça, n'empêche. Pour quand même bon. Kiku Ijimunji, l'homme filigrante est très tranchante. Mais c'est la bite. Ketomahawk sagé. Ah bon, les dagues d'Orichal, qui attends, fais voir. X 10. Parce que l'autre Bambina là sera bientôt. Enfin, je compte la passer voleuse quoi, Adèle. Parce que Adèle pour l'instant elle va être après voleur-chasseuse. Elvis, mage noir. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais mage noir bard. Après les deux autres, je sais pas. Gloria et 7, j'en ai aucune idée. 7, mais presque pas la 12. Je pourrais le passer guerrier, c'est vrai que je pourrais faire ça. Et glorier, je sais pas, un truc qui combatte avec mage blanc, ça va être compliqué. Je pourrais faire flambeuse, mais non, ça, je sais pas, ça plante cul, flambeuse. Lance écarlate, ouais, arc de fer, arc d'ange. Effet supplémentaire, charme.
J'aimerais bien refoutre ça sur... C'est vrai que Gloria Clark, elle était bonne, hein. Ah mais non, mais c'est Adèle. Bah oui. Adèle, 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 tous les jours. Bâton runique et... effet supplémentaire mutisme. Bah j'ai envie de dire... Pour de restauration, plus 13. J'ai envie de dire, je vais peut-être équiper ça sur Gloria. Et je vais changer peut-être l'arme de Edvis. Je sais pas quoi lui mettre comme arme à Edvis. Je sais pas ce que vous en pensez. On le voit des ciblés. Ah oui, fais voir, hein. Plus 7. Bah. Ah, mais attends. Ah, non, je peux faire ça, j'ai pas vu. Incroyable. Oh. Bah, tu vois, ça change rien. La moi, H, elle a autant de probabilités de cibler, donc. Ça change rien. Pour 7. Ok, au niveau des armures. Couronne de laurier, équipe immunité contre le poison et paralysie, mais c'est pas mal ça. Bah, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Ouais, mais du coup, mon pendentif étoilé. Bordel de merde. C'est un peu con si je faisais une diamant, c'est pas grave. Résistance à la terre, hein. C'est... Bref. Ok. Ça peut être pas mal peut-être pour Adèle. Bon, du sa défense. Hein. Moins. Pourquoi ça monte CPV l'autre, c'est vrai. Oui, c'est ça, Maxi, ouais, ça monte tout, ouais. Mais après, t'as raison, hein, c'est intéressant de regarder, hein, tu m'as fait me le dire. Oh, bah ça, on va le prendre, ouais, pour 7, c'est pas mal ça. Ah non, bah non. Ah si, mais attends. Ah. Ah non, c'est ce pendentif étoilé. Bah oui, je peux le mettre. On voit pas pourquoi pour les pendentifs, ça marche pas très bien. Mais je vais faire ça, hein. Vu que son chapeau le protège du poison, déjà, donc... j'ai envie de dire. Après, y'a pas de truc qui augmente les points de vie, là, d'ailleurs. Talisman de terre. 800 points de vie en plus. Ça pourrait être pas mal. Plus de points de vie, j'ai envie de dire. Par contre, ça coûte cher, mais bon. Ouais. Chercher, je peux le mettre. Je suis sûr que le prochain boss sera résistance à... enfin, c'est un mob de terre, hein. Ah mais attends, je vais le mettre aussi sur... Ah non, 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 pas sur Adèle parce qu'elle a pas le chapeau, il me semble. Donc attention. C'est pas mal, là. On est pas mal. C'est vrai qu'Adèle, là, peut-être, elle est un peu à la ramasse. Hein. 2100 points de vie, non, ça va. Bah oui, puis elle a un chapeau pourri, Adèle, mais ça lui donne... 6 attaques physiques. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant. J'ai pas trouvé un équivalent qui donne autant d'attaques physiques. Bon, t'es obligé de le virer au bout d'un moment, ça devient un peu casse-cou, j'ai envie de dire là. Regardez ce chapeau là. Attendez, je regarde. De toute façon, elle pourra pas le porter, j'ai l'impression, elle a plus de place. Limité contre la cécité. Putain, c'est pas mal ça, mais bon, c'est un truc de bourrin. Bon. Ok, ok. D'accord. Ça marche. C'est-à-dire que Elvis, il absorbe la terre maintenant grâce à son bouclier qui résiste. Elvis d'ailleurs. Excusez-moi pour tout ce menu, bon. Ah ouais, du coup, faut que j'y mette. Moi, je vais mettre la. Franchement, je vais lui donner la dague, hein, le guet-apens, puis voilà. Hein. Puis voilà. Hein.
Voilà, j'ai envie de dire. Comme ça, vu que la plupart du temps il faut rien, il passe son temps à voler. Voilà. Voilà. Incroyable. Je vais pas te parler, connard. Elles sont vraiment dans la panade, même le mur de pierre le plus solide ne fait pas le poids qu'on fasse ces arbres, la nature est ainsi, j'imagine. Je veux cette merde. Qu'est-ce que ça fait l'autre là? Alors, je demande ce qu'il y a pour dîner. Ah, il y a des coffres à trouver, c'est vrai, les coffres. Où sont les coffres? Ah. La grotte des enfers, ça c'est la grotte de Dagobah, j'ai reconnu. Oh! Est-ce que... Est-ce que... Je ne recule devant aucun défi. Juste une partie de carte, juste pour savoir ce qu'elle a. Rancé, mais t'es pourri. T'es nul. Et modifier le deck, quoi. On va virer ça. Ah, attendez, laissez-moi réfléchir. Bon, on va changer un peu. On va faire. Oh! Ah oui, 3 cases comme ça, une mandoline. On va essayer un deck comme ça, tiens. Que le combat commence! Ah, Eric joue aux cartes, ouais. J'ai en premier, mais non, mais quel plan cul! Mais ça, j'ai pas de carte comme ça, c'est un plan cul. Oui, t'as raison, Maxou, ouais, putain, ça c'est vrai. Ah, peut-être que je gère la guêpe par autre chose, attends. Sélène, qu'est-ce que c'est que ça? Asséné renforce toutes les cases empoisonnées, qu'importe leur appartenance. Quoi? Les cases empoisonnées, qu'est-ce que c'est que ça? Tous les empoisonnements suivants, il faut renforcer les cases. Ouah. Attends, qu'est-ce que ça fait ça? C'est bête et insecte, ouais. Bon, je tente, bon, je pense que la carte va pas survivre. J'espère. On prie. Et ça, ils sont à droite, putain, je suis un connard. Ne tue pas ma carte. J'en ai besoin. Plagiat. Plagiat, madame. Non, celle-là, j'avoue, c'est un peu la bite. Bon, c'est pas grave. On met des cases. On s'installe. Dame Emma. Effet terboulé en posant une case au hasard à la fin du tour de chaque joueur. Et du coup, ça fortifie avec l'autre. Ah oui, Dame Emma, mais oui, c'est la mentor de l'autre. Bah, je suis baisé, je peux pas la virer cette carte. Attends. Oh, quelle connasse. Ah si. Bon, ça vaut pas le coup, tu vas me dire. Il faut que je la vire, ça va être de la merde, ça. Hein. Je fais. Dégage. On dégage, ils m'ont écouté. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah là, c'est là que Maxus, c'est là qu'on est emmerdé, là. C'est là qu'on est emmerdé. C'est vrai que là, j'ai. Ouais, t'as raison, vraiment, je prends un truc horizontal. Là, genre l'esprit ou un autre truc, quoi. C'est là si j'avais un truc horizontal, mais oh là 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 là. Ça aurait été insane. C'est là, je peux rien faire, là. Intéressant. À part ça. Ah bah oui, si, bien joué, DB. Je suis trop con. Oulala. Le cochon, c'est pas une bête. C'est un humanoïde. Elle a gagné cette pute. What? Revanche, évidemment. Sérieux? C'est un humanoïde, lui, c'est pas une bête, c'est ça qui est dégueulasse. Après, tu vas me dire, il a 3 cases.
Je crois que c'est ce que je virais une des guêpes là, c'est insupportable. Bon, regarde, par exemple, ça sert à rien que je garde ça. C'est pas une bête, c'est nul, ouais, mais je vais faire ça. Ou sinon, je vire mon Géliflant. Mon Géliflant, j'aime bien, moi, ce qu'il fait. Sinon, je peux faire ça aussi. C'est pas mal, là. J'ai tout, là, regarde. J'ai tout. Ce Horten, c'est un peu particulier, quoi. On teste. Le flanc est bien, il prend un coin. Bah oui, c'est pour ça, ouais. Pour ça, j'aime bien, moi, le flanc. Après, j'ai envie de dire. De toute façon, le dompteur, il sert à rien. Vu qu'elle a un dompteur. On va reprendre le flanc. Petit flanc. Et la revanche. Ou j'en prie, ouais. J'ai bien essayé de faire ça. Bon, par contre, j'ai pas pris de trucs pour niquer sa scène. Je viens de capter. Ça, j'aurais pu faire ça. Ok, bon, fais-toi plaisir. Vas-y, claque le dompteur là. Claque-le! Tout de suite! Merci! T'as les places vraiment de façon casse-couille, hein? C'est dangereux. C'est dangereux. Ok, ça c'est mal joué. Ah mais ça marche aussi sur moi, lol. Mais bon ouais, ça c'est trop RNG, ça on va s'en débarrasser. Ouh là là. Et franchement, ça renverse la situation, là je me la coupe. Le pire, c'est qu'elle va y arriver, je pense. Attends. Franchement, si tu gagnes sur ça, je me la coupe. Devant tout le monde. Merci. Oh putain! Quelle casse-couille! Oui. Du coup, merci à tous. Du coup, insecte aquatique, ok. Merci pour toutes tes cartes. Mais bon, je veux dire, il y a un 1. La belle. Le BO3, le BO3, comme on dit. Ouais, je regarde du steak. Ça, c'est assez addictif ce jeu, quoi. Désolé de vous casser les couilles avec ça. Que ce soit Twitch ou YouTube. On sait, on s'en fout. Ah mais celle qui commence, ça j'adore ça, ok. Je mets ça là. Ah, elle va me sortir d'Amema, c'est ça? Ah non, le dompteur, ok. C'est elle qui a fait le dompteur. Ah non, je peux pas faire ça. Alors là, je vais faire un truc. Je tente. Ah merde! Bon bah, je tente pas. Bon, c'est pas grave. Oh non! J'ai fait le con. J'ai joué comme un caca. J'ai joué comme un gros caca. Quoique.
Bordel de merde. Bon, j'ai gagné, mais putain, tant d'axe. Bon, voilà. Voilà! C'est moi qui est plus fort. C'est bon, allez. Ça suffira. Parle au garçon, oui. L'auberge. Oui, allez. Coûte combien? 220! Et là, si j'étais vraiment un gros crevard, j'aurais fait un voyage rapide. À la première ville pour dormir dans l'auberge Jabal à 80 gules. Pour économiser 140. Un seul bateau, ça c'est pour les noobs. Ah! Oh, non. Où sont les coffres, bordel? Je crois que les coffres sont planqués dans les arbres, je ne sais pas où. Où sont les coffres? Attends, déjà, on va voir ce petit con là. Je vais pas lui parler comme ça là. Non. Oh, vous avez réussi à trouver tout. Vous avez réussi à trouver toutes les trois médailles. Ah, ça veut dire que j'ai perdu. Faudra que je trouve une meilleure cachette la prochaine fois. Peut-être dans le ventre de quelqu'un. Là, ça sent difficile de les trouver. Quoi? Qu'est-ce... Écoute, donne-moi mes pierres de renvoi et je te laisse dans tes délires. Hein. C'est ça, Maxou, c'est ça. Attends, moi j'ai qu'un coffre là. Regardez. Le call du DV, le call du DV. Mais oui, voilà, évidemment, évidemment. Et là, surprise. Est-ce qu'on va être guaqué comme l'autre fois? Mais c'est quoi ce mec là-bas, vous avez vu? Il a l'air d'être putain de vénère. Ouais, mais je suis pas allé nulle part d'autre là, c'est nul. Bon, on vient dans la première zone du coup, vite fait, pour aller chercher ce coffre, avant que j'oublie. Parce que là, bon... Attends, où est la charrette? Ah mais attends, ça va jusque là. Ok. L'arbre, oui, oui, exactement. L'arbre de c'est mort. J'espère que plus tard, on aura des espèces de montures, ça... Un petit cheval, pas le plus vite, non, on peut pas? On va tout faire à pied. Et le gobelin, ça va? Bouh. Grosse merde. Et toi là? Et il m'a regardé, il... Et toi? Pom pom. Pop pop pop. Pom. Ça c'est juste là. Bah, la première maintenant, faut que je rappelle où c'est. Je crois que savoir, c'était à peu près en haut à gauche du TP. Attends, non, je crois que c'était là. C'est ça, regardez, la mémoire du DV. Et là, bim! Enfin, on peut y aller. Et là, une surprise, un boss secret. C'est de la bite. Ils ont combien de points de vie? Mais non, c'est pas ce que je vais faire. Ah, ils ont autant de points de vie que ça? Je m'en plais pas. Après, celui-là, c'est pas mal, parce qu'il me semble qu'ils font stop. Donc, on va se servir, hein. Pokémon, attrapez-les tous. Quoi qu'il est tous, Pokémon. Voilà, voilà. Ouais, moi je vais les tuer là, moins 3 PB là. Piège. Le fini, c'est dedans, qu'est-ce qu'il y avait? Une potion. Un bâton de chêne. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que ça? C'est mieux que le runique. C'est trop lourd. Attaque magique, ça compte 3 pouvoirs de restauration 16, c'est pas mal, putain. Mais c'est trop lourd. Triste. Sinon, je viens le rondage ou je le nerf. On peut faire ça, sinon.
Voilà. Voilà, le petit bâton pour Gloria. Bah ça valait le coup d'y aller. Ça valait le coup. Bouh. Bouh. Ah, j'adore ça, je m'en lancerai jamais. C'est caché. Et là je vous propose, c'est qu'on fasse une Mumba. C'est qu'on reste dans cette zone. Et on monte jusqu'à niveau 99. Voilà. Voilà. C'est parti. Ou comme un mec sur FF7, il a fait tout ça en live je crois. Dans FF7, il y a un mec qui a monté niveau 99 avec Cloud et Barrett dans le réacteur 7 au tout début du jeu. Je suis content ça lui a pris mais... Wadzel. Pas qu'à bois, non. Non, non. Bah déjà de 1, ça serait complètement con de faire ça en live. Et de 2, ouais, je pense que je serais pas capable de faire ça. J'ai envie de jouer au jeu, moi, merde. Putain. Ouais, y'a un mec qui a monté 99, Barrett et Cloud, la première zone FF7, quoi, mort de rire. Le ouf. Card 7, je sais pas. Je m'en souviens plus de son nom. Je sais que quelqu'un l'a fait, mais... tac, excusez-moi. Il y en a qui montaient niveau max dans la zone de départ de bois aussi. Ah non, mais ouais, il y a des ouf, hein. Bon, écoutez, on continue un peu l'histoire. Vu que vous êtes encore là. Attends, est-ce que de nuit, il y a des quêtes différentes ou pas? Pas du tout. Je veux savoir en fait c'est quoi le bail ici, je veux savoir c'est quoi le plan cul qui nous attend. Et là on finit en tout le direct et merci à tous. Fin de la game. Oh, le mec devant c'est un putain de boss. Astérix, armoire de glace. Allez 2-3 boss, allez, allez. Non mais je voulais savoir c'est quoi ce gros port. Regardez moi ça ce truc, cette armoire à glace. Oh là. Oh là là. C'est plus ton pote je crois. On est bien d'accord, X c'est un Astérix ça. C'est pas un skin, c'est pas un cosplay pour le LOL ça. Ça a l'air d'être une putain de casse de tank ce machin. Porte du château. Avec là ça, enfin il est trop bizarre cet armure avec les épauliers en forme de tour tout ça. Salut Killer, ça va bien? Bienvenue à toi, bienvenue. Non mais putain de PNJ quoi. Astérix the Tower, Tower. You never wear one for bending the rules, eh? But we've got to get in there somehow. No, no. Ah salut Maxou. Oh là là. Ouais non mais... Il s'est manipulé par quelqu'un. Attends mais... C'est... What the fuck. Ah le dessert. Bah voilà Max, tu as ton boss. Calme-toi. Exterminate, exterminate, what the fuck. C'est quoi, c'est le troisième boss ce soir là, c'est ça? Alors, je devine qu'il a 200 de défense. J'aurais dû prendre un berserker là, j'ai tellement chier je pense. Non mais... Ta gueule! Ta gueule! Ferme-la! Pictomona, vous êtes qui vous? Ok. Je crois savoir ce que c'est, mais. Ah, peut-être c'est ça, peut-être c'est. Ouais. Je pense faut que je le tue, mais. Il va casser les couilles. Je pense que c'est ça qu'il manipule.
Ouais, attends, Gloria défend parce que j'ai peur. Je crois. T'inquiète pas, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Ok. Après, ah, je vois qu'on est une saloperie. Pourtant, t'as pas que sur un scan, j'espère. Prends du point de vie, what the fuck. Nul. Ah, c'est une ondine. Oh, okay. Oh, le relou. Ok. Ça coûte combien de cure? 22. Oh, le casse-couille. Après, il a que 9000 points de vie. Ah oui, il faut que je fasse un truc. Attendez. Testons. Est-ce qu'on peut les empoisonner? C'est important. Je vais commencer par cette saloperie derrière là. On peut l'empoisonner. Il faut que j'y arrive. Je vais faire un test. Ah non, il s'en bat les couilles. Hein. Ok. Non, c'est pas le même truc que j'ai drop. Oh, mais c'est bon, sérieux quoi. Il pourrait mettre dans le même truc. Saut de la mort. Est-ce que vous pensez qu'un saut de la mort marche sur ça? Cryogénie, ouais. Coup de poésie, j'en ai qu'un seul. Ouais, bon. Ah, oui, c'est je suis empoisonné avec elle. Ah, attendez. Qu'une idée, ça marche. Ouais. YOLO. T'auras plus de chance comme ça. Bon, ça tu défends. Ouais, il a pas l'air d'attaquer, ouais, c'est juste l'autre derrière. On essaie de les empoisonner, tranquille. Si j'avais les empoisonner, évidemment, ces connards. Oh bien! Oh oui! Ah, Mistral, d'accord. Oh, ça c'est vraiment le bon meuble qui a pop au bon moment. Merci beaucoup! Mais aïe ou sinon? Après ce connard il a fait un crit aussi. La cécité commence à se barrer, c'est bien. Mais j'ai toujours pas réussi à l'empoisonner ce connard. J'attends que la cécité se barre pour donner des coups d'épaule à l'autre là. C'est bon, on l'a empoisonné. Pas tantôt. Vas-y, meurs du poison. Meurs du cancer, oui. Gloria, tu vas full défendre au cas où. Et Adèle, oh. Ma petite Adèle. Ah mais attendez, je sais ce que je peux faire. C'est le moment d'utiliser ça. Micaleuse, à toi de jouer. Et vas-y, dis-moi que ça marche. Ça va marcher, merde, il est pas ralenti ce connard. Ouais. Ah, attendez. Bref. Non. Dick. Aïe. Non, pas ça. Ok. Oui, ça peut du tout marcher, chier. Bon, on va poser l'autre con, on va essayer. Je pense qu'il va retrouver ses esprits dès que j'ai tué l'autre mob, je pense. Elle a que ça à foutre en fait, Gloria. Elle a que ça à foutre, Gloria. Pour l'instant, le soin, bon, on s'emmerde. Aïe. Les meurs du poison meurent. Besoin de moi sera là.
Allez, tu peux le faire, Elvis. Je crois en toi. Saloperie. Ok, Oh non. Ok. Aïe. Ça veut pas, hein. I shall prevail. I'm up, huh? You are about to witness my true power. Your might knows no bounds. Dans mon set, là, il va. Je pense que je la tue là, je pense que dès qu'Adèle joue là, je peux tuer la saloperie là. Sauf qu'Adèle va être en négatif. Faut pas qu'il fasse Mistral ce connard. Mais bon. Ça doit être bon. Ça devrait être bon. Pas de crit. Ah, c'est pas évident empoisonné, hein. Pff, oh là là, ouais. Oh non! Cette malchance, man! Oh, la garde angélique! Oh là là, bien, Gloria se fait bolos! Toi bien. Putain, mais sérieux, il lui manque rien, attends, dis que toi. Ah, quoi que, attends. Oh. Attends. 13. This favor will not be forgotten. Come and get it. En douter. La cécité, je sais. Est-ce que Gloria peut. Est-ce que Gloria peut réussir à le tuer? Allez Gloria, vas-y, le coup d'épaule. Glory! Mais connasse! De toute façon, on va y Mistral, mais de toute façon, tu soignes que d'elle. Ah bah, il meurt du poison, chier! C'est bon? Non, ah non. Ah non, non, t'es toujours vénère? Ok. Eh bah, go te défoncer! Si j'avais t'empoisonné, putain. J'arrive pas, j'arrive pas. Putain. T'as fait quoi lui? Dague et bâton. What the fuck? Avec sa contre-attaque, faut que je fasse gaffe. Non, 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 non. Ah! Bah attendez, on l'a même pas commencé à le taper. Quoi? Mais. C'est pour ça que le poison passait pas en fait, c'était scripté. Je suis sûr que le poison, t'attends 30 minutes, il crève de sa chasse. Hein. Il a un Astérix, bah à ton avis, connard. Mais non, je veux sur l'Astérix, putain. Ça t'es parfait pour 7, ça t'es l'Astérix parfait, putain. Imaginez le combo. C'est scripté, oui, bah c'est nul. J'aurais pu le tuer avec le poison. The clue's in the name. It's a place where people conduct research into magic. The boss over that way is an old friend of mine. Au moins j'ai tué son aide. Chien. What's been going on and about what came over Galahad back there and all. But the two things must be connected, right? The city going weird and that Galahad guy going weird as well. Prince Castor was acting out of the ordinary too. Not to mention half mais oui, mais c'est un des sbires qui contrôle. Are you sure your friend at the institute can even be trusted? Roddy and me go way back. If there's anything up with him, I'll be able to tell straight off. I hope you're right. You worry too much, lassie. Everything's going to. Et ceux qui s'emmerdent, ils sont dehors. Well, if you say so. Round 2, fight!
Tout le monde a affronté Galar. Oh, mais gamin, quoi. Tout en tous. Hein. Les inquiétudes de Presley. Où est Presley? Il a interrogé les gens du camp pour savoir ce qui se passe ici. Dinde. Comment ça? Eh bien, qu'il n'est pas trop chiffonné par le fait que sa ville est en dessus-dessous. Tu crois pas que ça a dû lui faire un choc? Je sais pas, qu'il est parti poser des questions parce qu'il ne supportait pas de rester sans rien faire. Il m'a pas semblé différent d'habitude. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit avant de partir? Je me casse! Je pars à la recherche de quelques amis histoire de discuter de ce qui se passe ici. Quelque chose comme ça, non? Oui, à peu près. En réalité, ce sont ces mots exacts. Et tu trouves pas ça bizarre? Non. Tu as compris, est-ce que ça se voit? Je parie qu'il est malade d'inquiétude. Mais on fait réfléchir tous les amis qu'il doit avoir ici et... Franchement, Adèle, il avait l'air exactement comme d'habitude. Non! Quelque chose que je pars à ses recherches pour assurer que tout va bien. D'accord. Et bah barre-toi! Va rejoindre ton amant. Oh, mais attendez, tiens, on n'est pas passé par là. Tiens. Ah mais c'est Adèle ça. Y'a pas un coffre là, Dick. C'était des freelances de floraison tardive, mais oui. Mais à la fin, tout le monde sera freelance. Oh là là! Quelle est cette chiasse intersidérale? Elvis! Well, I'll be jiggered. Mais ça, c'est un slam géant, ça va nous tuer ça! How do, Roddy? It's been a wee while, eh? When did you get back? And why didn't you send me a letter or something to let me know you were all right? I was starting to think you might be dead in a ditch somewhere. No, Roddy. You should know better than that. If anyone or anything manages to finally do me in, it'll be the talk of every tavern in the land. I've just been busy as all. Busy trying to make sense of that blasted book lady Emma left behind mostly. Och, that old thing. And how's it going? Making any progress? Oh, aye, it's coming along nicely. Well, Roddy seems the same as ever. No weird mood swings here. But where are my manners? Roddy, these are my new friends. We've been on a wee adventure together. Everyone, this is Roddy, boss man of this here institution and storied son of Wiswold. Roddy McGranite at your service. I hope Elvis hasn't been too much of a pain. Aye, less of that. I've been an exemplary travel companion, I'll have you know. But listen, there's a few things we need to ask you about. And one immediate problem we need your help with. We're wanting to get into the Tower, see? But that job's worth Galahad won't hear a word of it. So, Tower? Roddy? Need you! Elvis? Clear? White as the driven snow? Or soiled and murky? Black with guilt? What the heck are you on about? Which one is it? Black or white? Black. White. Black. White. Roddy, pull yourself together, man. Your heart is black. Ah mais c'est oui. Get out. No. C'est l'autre qu'on a vu là, je pense. Putain. OK. Eh ben salut. C'est l'autre là qu'on a vu là, chez les méchants, je suis sûr c'est elle qui fout la merde, c'est bizarre hein. Je pensais que ça serait un assassin mais... Personne nous aime. He completely flipped out, just like Galahad. Yes. Ils aiment pas trop les gens de notre genre. It seemed to be the mention of the tower that triggered the sudden change. So what are we going to do now, Elvis? Is there anyone else who can help us? Oh. Well, look who is. What? Lily. Lily! You know her, Elvis? Aye, she's Roddy's wife. She'll be able to tell you what's been going on for sure. Unless she's suffering from the same weird affliction as everybody else. Ack, we'll cross that bridge when we come to it.
Come on, let's go and see what she has to say. She went into that shop over there. Oh, je galère. Bonjour. Donne-moi ton argent. Braquage. Oh putain. C'est quoi cette tenue? What can I do for you? I was looking for a new gown for our Mona. Oh, she'll have grown out of all her clothes before I know it. All right, let's... Elle est en tenue de bourge avec un carquois derrière, what? Oh, it's adorable. Oh, she's gonna love it. Thank you so so much. STX, ouais, peut-être bien. Je pensais à ça, mais je trouve ça bizarre. STX de chasseuse. I just ran into Roddy and... Oh, sorry, but if it's him you're wanting to ask about, you should know we're not together anymore. Eh? What do you mean? We split up. Ah. Me and the wee one now. You can come round to our new place sometime. She'd love to see you. Anyway, it was nice catching up. Ta-ta! Well, she seems... Genre, on dirait qu'elle a une Astérix, mais c'est bizarre. Je pense c'est quoi? On dirait une espèce de chasseuse ou... I suppose you're right. I can't... Tout le monde a des Astérix. Lui, le marchand, il a des Astérix. Regardez. Regardez ses lunettes. C'est un Astérix. Il a Astérix vendeur. Tu es un PNJ. What? Ah, mais Mona, mais attends. Mais wait. Oh non. She was delivering something to her dad when the accident. Attends, mais Mona, c'est pas right to blaming himself if only I'd been at home. C'était pas une des nanas là dans Les Méchants? Il y a pas une des deux qui s'appelait Mona? And Lily set to blaming herself in turn for sending wee Mona off after him. And then they set to blaming one another and well. I don't mean to pry, but wasn't Lily just talking about her daughter as if she was safely at home? I don't have the heart to ask exactly what she means, poor dear. And unless someone can find the time to head north up to the forest there and check on her. Oh là là, mais putain! Une forêt hantée, je suppose. We'll do it. Come on, we need to go and get to the bottom of this. What a plan cul. Just can't get my head around it. So Lily's behavior wasn't quite as normal as it seemed after all. Ah oui, Maxou, il est ça aussi. Then we'll need to speak to Lily and Roddy some more. She's up in the forest. I'm guessing he's still over at the institute, right? Attends, je veux savoir là, on va y aller là, on va rusher là. On va pas trop rusher parce que je vais nous faire rouler dessus par le prochain boss. Je sais pas si en termes de niveau je suis bien ou pas là. Ah, les quêtes annexes. Ah. Évidemment. Ah, ces petits créatures ont l'air mignonnes, inoffensives avec leurs grandes oreilles. Si j'avais su. Lapin. Lapin. What? You. Ah, c'est à l'intérieur. Ok. Bonjour, madame. Oh, bah ça, là, c'est incroyable. Il faut que j'ai. Il m'en faut avant qu'il n'y en ait plus. Est-ce que vous connaissez Red Shadow Legends? Connasse. Procurez-vous du message de breuvage divin à Altiona. Oh non! Altiona, mais ça prend un ville. Oh. Nick, t'inquiète, on verra ça demain. Je vais faire les lapins et la forêt. Dick, t'inquiète de ses morts. Alors, faut aller où? Là-bas. Mais d'abord, il faut tuer des lapins. Lapin. C'est quoi ça, un lapin? Lapin. Non. Je sais pas ce que ça fait, là, la capacité du lapin là, que je capture, là. Ah merde, tu en sais citer l'autre, là. Elle a pas cicatrisation, c'est vrai. Shit. Parfait. Oh, c'est peut-être un peu cher pour. Moi j'ai que 3 couleurs, tu vas me dire, non, c'est une mauvaise idée. Attends, quoi que si je suis. Votre ex est fort de.
Non, non. Cure. Attends, ça soigne au moins ? Ouais, ça va. Bien cette merde. Merci. Lapin. Je tente. C'est bon. C'est bon. Vous êtes à moi. Rien qu'à moi. Et toi, grenade. Pour tuer combien? 5 c'est ça non? Ou 4? Je sais plus, j'ai oublié. 12. Putain, la capture ça compte pas comme une élimination, mais va. Ouais, t'es limon, je l'ai pas tué, tu vas me dire. Mais c'est bon, Gale, que ça... Quelle c'est? Ah non, bon, cette merde, non, 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 non. Non, les migales, non. Oh là, mais quel chiasse! Pourquoi je vais là-dedans? Il y a 36 000 arbres, on voit rien. C'est un gros plan cul. Oh, je fais demi-tour pour les lapins. Que toi. Did you see that? I'm amazing. Moi je m'arrête là. Mais quoi qu'il y a peut-être un coffre là-bas aussi, tu vas me dire. On y va. Secours. Ah ! Attends, what ? Mais je lui ai donné des coups d'âme mais ça marchait pas. Et là j'ai aggro une saloperie que je vois pas et qui va me tuer. Qu'est-ce que c'est cette chasse ? Non mais au revoir en fait. Non 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 non. Non, barre-toi. Je suis pas venu pour ça, moi. Je suis pas venu pour s'ouvrir ici, ok? Voilà, le coffre, c'est ça que je cherche, moi je veux le coffre. Les cadeaux de poisson, bête, ok. Laisse-moi. Fungus mortel de ses morts. Bah écoute, c'est très gentil, mais. On s'en fout de ce mob. Qu'est-ce que je viens de loot là? J'ai oublié. Ah, c'est ça? On monte plus quoi, non? Non, on monte plus. La mitaine. Ouais, ouais, bon, c'est la bite, quoi. Au secours. Ouais. Lapin. Y'a là. Lapin. Double combat, c'est ça. Évidemment. We've outmaneuvered them. Ah, il faut que j'aille doucement là, du coup. Voilà. Il y a deux combats là qui vont s'enchaîner. Right, let's see. Wait to take a step back. Prepare to meet your maker. Here I go. They come again. Oh là là, la foire la saucisse. Oh non, vous êtes chiant là. Et bah quoi lui? Vent évidemment. Et les guêpes, foudre. What? Okay. Grenade. Oh, oh là là! Qu'est-ce qu'il nous prépare lui? Attends, est-ce que j'ai le tranchant de moi du coup ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est ça, ah cool! Ok.
Mais non, ça compte pas le lapin là si je fais ça, c'est vrai, c'est la bite. Coup de bâton sur sa tronche. Grenade. Attends, mais du coup, je. Mais j'ai dû capturer tous les lapins à l'intérieur, c'est ça? Oh merde! Pardon. Du coup, ouais, faut. Ok, j'ai compris, faut que je les tue. On va passer 3 heures sur cette quête. Et à la fin, j'aurai capturé 36 lapins. Voilà. De toute façon, j'ai aucune idée de ce que ça fait leur truc, mais je me demande si c'est pas un truc de mort instantanée en fait. C'est pas drôle. Viens là, toi! Au moins là il sera mort. Attends, je suis un lapin pour voir ce que ça fait. Lapin. Mort instantanée. Après, je suis pas trop fan de la mort instantanée dans les FF, c'est tellement random. Mais why not? Ok. Donc, c'est vraiment le lapin quoi. Le lapin des Monty Python quoi. Lapin. Où êtes-vous, petit lapin? Mais sérieux, vous êtes où? Attends, ça j'ai pas vu ça. Ah non, si, c'est une gap. Je confonds que le papillon de lumière. Oh, c'est quoi ça là-bas? Un orque. Qu'est-ce que c'est de bidon? Ça, c'est une fourmi. Oh là là, il y a une grosse tortue là-bas aussi, intéressant. Moi, je cherche des lapins. Non, 7, oh. Merci. Oui, merci. Bah, pas de soucis, Mouma. Ouais, de toute façon, je crois que je vais m'arrêter à 2h du matin. Passe une bonne nuit, merci d'être resté jusqu'à cette heure tardive. Et à demain, du coup, 3 lapins. Lapin. Attends. Je crois qu'il me faut de lapin pour la quête. Le plaisir de l'esprit, c'est quoi ça? Le plaisir. C'est bon, j'ai tous les lapins là normalement. Voilà. Parfait. Quelle est cette merde? Le plaisir, c'est que j'ai des brioches. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, mais oui, c'est pour ça. Oh. Allez, ah d'accord, ok. Oh, d'accord. D'accord. Voilà, j'ai tué tes lapins. S'il fait que j'ai donné une bonne leçon à ces monstres à grandes oreilles, ce n'est pas demain la veille qu'ils attaqueront de nouveau un pauvre innocent. De quoi, c'est moi qui ai commencé en voulant l'entraper? Bon, peut-être, mais ils sont dangereux si on les laisse en liberté, ces petits lapins. Un monstre reste un monstre après tout. Il faut soit les chasser, soit les domestiquer. Bah, je sais faire les deux, ça tombe bien. Ou peut-être que vous avez une meilleure idée, hein. Ouais, c'est ce que je pensais, hein, sac à merde. Bah, écoute. J'ai 8 lapins sur moi, je vais te les balancer dans la gueule, tu vas voir. Petit rat. Attends, je fais une pile, je suis pas gaffe parce que je loot, t'es mangé de conneries. Qu'est-ce qu'il m'a donné ce con, j'ai même pas fait gaffe. Mais... Fuck that. Allons à la forêt. Je veux savoir c'est quoi ce plan cul.
Alors faut aller où? Faut aller là-bas. Allons-y, la forêt du Nord. Voilà, comme c'est juste là. Je crois. Évidemment, les forêts de merde. Dans ce genre de JRPG, ça on connaît ça, oh oui. Rempli de saloperies de plantes, de full altération d'état. Tout ce qu'on aime.